Salut tout le monde, ici Dika Tuto pour une nouvelle vidéo tutoriel qui va consister à ouvrir un logiciel ou un jeu ou n'importe quel fichier rien qu'avec des raccourcis clavier, rien qu'avec les touches de clavier. Et pour cela, vous allez vers le fichier désiré où vous l'avez installé ou créé ou j'en sais quoi. Moi je vais utiliser AutoRent, je vais l'ouvrir. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Pour commencer, faut d'abord créer un raccourci. Voilà, clic droit, créer un raccourci. Vous pouvez mettre le raccourci dans le bureau, c'est pas important. Je vais juste laisser ici pour le tuto. Clic droit, puis propriété. Voilà, clic droit, propriété. Et comme vous voyez ici, il y a aucun dans touche de raccourci. Il n'y a aucun. Vous pouvez juste cliquer sur aucun, puis cliquez sur la touche désirée. Je vais juste prendre contrôle et shift, puis une lettre du clavier. Vous pouvez prendre une lettre, moi je vais juste prendre i. Voilà le i, puis ok. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je clique contrôle shift i et voilà, surprise. Bon, le tuto est fini, vous pouvez toujours vous abonner, liker notre page Facebook ou partager la vidéo si ça vous a vraiment plu. Ce que je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.